Bonjour à tous et bienvenue sur l'Etosat Gaming et je vous propose le premier épisode de mon premier Let's Play et ça s'appelle Spec Ops The Line. Alors, on va démarrer tout de suite en mode campagne et on va faire une nouvelle partie. Voilà, j'ai testé un petit peu le jeu histoire de me familiariser légèrement avec les touches du clavier. Bon, bah j'espère que ça va le faire. Je vais mettre en niveau promenade de santé parce que je sais pas très bien jouer. On verra après, une fois que je serai bien habitué aux touches, eh bien à faire en sorte que on augmente le niveau. Allez, c'est parti. On commence le jeu avec des petits bruits d'hélicoptère. Ce type me colle au cul, Walker! Prenne info et stabilise-toi! Putain, mais t'es malade! À moi! Alors, on est dans la cinématique de début qui est aussi le générique, vous allez le voir. Et ça, c'est assez sympa. Et il va falloir commencer par détruire voilà, ces hélicoptères. Je les vois! Ok, donc on tire sur les hélicos. C'est parti, mon kiki! Donc ça, c'est déjà pour vous s'habituer au système de tir. Voilà, c'est simple. Hein, c'est pour l'instant, tout va bien. C'est à la souris. Donc là, je joue hein, sur Linux. Hein, grâce à la plateforme Steam. Le truc peut pas aller plus vite. Plus vite, Adams. Ok. Allez, on va accélérer le rythme. Bah, je fais ce que je peux, hein. Voilà. Bon, je pense que celui-ci, il a son compte. Putain, voilà. Il sort de partout. Bah, c'est pas grave, continue comme ça. Ok, je continue. Enfin, j'essaye de viser. Oh là, c'est pas passé loin. Bon, si avec ça à faire dans le jeu, je pourrais m'en sortir. Merde, c'est bien ce que je crois. Exact, tempête de sable, droit sur nous. Essaie de nous tirer de là. Pas avec les hélicos au cul. Alors fonce dedans. Dans la tempête, vous êtes tarés. On va vite le savoir. Alors, on détruit tout sur notre passage. Ouh là 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 là, c'est chaud. Ouh, il s'est pris une belle rambarde en ferraille. Accrochez-vous. Aïe. Ça sent pas bon. Oh, merde. Eh oui, j'avais dit, ça sent pas bon du tout. Ah, bon, bah déjà le ton est donné, hein. Ah, je suis déjà essoufflé. Ah bah ça va être chaud, hein. Alors, un petit retour en arrière pour raconter l'histoire. Petite musique douce. En tout cas, c'est joli, graphiquement, j'aime beaucoup. Si John Conrad est le plus grand homme avec qui j'ai servi, je sais pas. Je me rappelle une fois à Kaboul, il a traîné ma carcasse sur une borne jusqu'à l'hélico d'évac. Ouais, ça a dû m'influencer. Mais les faits sont là. Ce type est un vrai héros. Vous vous souvenez quand les premières tempêtes ont frappé? Vous deviez être chez vous, bien tranquille, devant la télé. Eh bien, Conrad et les damnés du 33e quittaient l'Afghanistan. Au lieu de rentrer chez eux, ils se sont portés volontaires pour aider à l'évacuation. Et vous avez envoyé un chèque. Apparemment, Conrad aurait reçu l'ordre de quitter la ville. Il a refusé d'obéir, et le 33e l'a suivi. Bon, l'histoire officielle est encore un peu vague sur la suite. Mais ce qu'on sait, c'est que les tempêtes ont empiré. Vraiment empiré. Aux dernières nouvelles, Conrad guidait un groupe de survivants pour essayer de leur faire quitter Dubaï. C'était il y a 6 mois. Et puis, il y a 2 semaines,
On a capté une transmission. Ici le colonel John Conrad, de l'armée américaine. La tentative d'évacuation de Dubaï est un échec. Les pertes, trop nombreuses. Aïe. Alors, oh, nous sommes dans le désert, en direction de Dubaï. Hey chef, capitaine Walker. Bon, bah je crois qu'on est le capitaine Walker. Y a un problème, chef. Un problème crucial? Non, chef. Alors fais-le remonter, sergent. Bien su. Lieutenant Adams? J'ai entendu, sergent. Quel est ton statut? Je dirais irrité, chef. T'as dit irrité, sergent? Oui, chef. Une attaque aérienne locale a infiltré la zone américaine formée par mon Falzar. Chef. La ferme, débile. Ouais, c'est pas faux. Hein. Messieurs, bienvenue à Dubaï. Bon, y a rien. Bah, y a rien. Reste à voir, sergent. T'as localisé la transmission? Oui, chef. À environ 800 mètres. Alors, dans 800 mètres, on saura enfin qui est le plus merdique. Toi ou cette info? Waouh. Si j'étais pas une vraie machine à tuer, j'aurais pleuré. Alors le drapeau américain juste devant Dubaï. Voilà, magnifique. Et oui, je suis l'invité spécial dans cette cinématique. Parfait, n'oubliez pas, l'endroit est considéré comme un no man's land. Donc alors, on n'est pas censé être là. Va falloir suivre le protocole, ok? Ok, super. Ok. Planquez-vous. Alors, hop, un petit saut en avant. Waouh, ce qui se passe à Dubaï reste à Dubaï. Allez, faut trouver le moyen de descendre. Ça marche. Alors, par où on peut descendre? Ah, par là, il y a quelque chose, non? C'est par où, les gars? Ah ouais. Ok. Ouais. Ah. Alors c'est tout par ce qui là. Reste des damnés du 33e. L'état-major est pas d'accord, sinon. Ok, on va descendre là-bas. Ouh. Ouais, il joue au cacou l'autre. Ça suffit, Lugo. Ouais, Lugo, c'est le cacou. Hein. Boss. C'est le cacou de la bande, ouais, c'est le kéké. Reste concentré sur la mission. Quelle mission? Ok. Donc il y a des beaux effets graphiques. On voit les antilopes. Si on trouve quelqu'un, on repart l'hélico et on contacte le QG. Ils envoient la cavalerie, on rentre chez nous. Ok, ça c'est pour changer d'arme. Hé, hey, vous avez entendu ça? Arrête avec tes conneries. Alors là, je suis vexé. Y'a personne ici, mec. On dirait la transmission. J'étais sûr d'avoir entendu quelqu'un. Allez, qu'on en finisse avec tout ça. Ok, donc on a réalisé le premier objectif de se diriger vers Dubaï. Hé, hey, y'a quelqu'un? Faut se montrer, quoi! Laisse tomber. Bon, pour l'instant, on peut pas ici. Beaucoup interagir. Qu'est-ce qu'on fout là, putain? Lugo a pas tort. Ah tiens, t'es de son côté maintenant? Ah ouais, quand il a raison. L'état-major veut qu'on fouille la zone, alors on fouille. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est du gâchis pour trois beaux et braves soldats de la Delta Force dans notre genre. Vois plutôt ça comme des vacances. Pour la prochaine fois, moi, je préfère les plages avec plus de filles sexy et moins de cadavres. Mais on descend. Ça t'arrive d'écouter les conneries qui te sortent de la bouche? Non, jamais, chef. Ah, sinon, J. Après, ça casse mon rythme. Faut juste que j'appuie sur les bonnes touches. Hein. J, c'est pour se baisser. Savez, ok. J'ai vraiment l'impression qu'on nous observe. Bien, je veux qu'on sache comme je suis sexy en action. Je crois que c'est là. La tentative d'évacuation de Dubaï est un échec. Ouais, c'est bien ce qu'on cherche. C'est pas rassurant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une balise de détresse, mais pas de l'armée. C'est fait avec des pièces détachées. Qui a pu faire ça? Ça a pas la moindre idée. Putain de merde. D'accord. Walker, tu devrais bien voir ça. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Oh merde. Ah, il est pas beau à voir. Ouais, hein. C'est rien de le dire. Il est pas beau. Bon. Il a l'air frais. Ouais, j'aurais pas dit ça, moi, mais pire, bon. C'est le 33e. Qui a fait ça? Sûrement les types qui nous filent le train.
Ça répond pas à la question. Il y a du monde. N'en fais pas. Je crois qu'on va vite le savoir. Ah oui, effectivement, il y a du monde. Je suis le capitaine Martin Walker. C'est moi. Nous cherchons des survivants. Pourquoi ? Pour nous tuer, nous aussi ? Vous parlez farsi ? On pourrait peut-être mieux se comprendre. Agarintori harf bezanim. Bien joué, Lugo. J'ai vraiment peur que ça dégénère, Walker. Sans blague. T'as une idée ? Tu vois le bus là-bas ? Il est rempli de sable. Au pire des cas, on tire dans les vitres. Ça me donnera un petit avantage, voilà. On bouge de là ! Je l'ai eu ! Putain, c'est qui ce type ? Des réfugiés ! Alors, allez où ma touche recharge ? C'est bien, non ? Voilà, c'est ça. Ne prive pas ! Ils vont bien arrêter de tirer pour te laisser passer un coup de fil ! Messieurs, bouclez-la et tirez un peu ! Cible abattue ! Ennemi SS ! Je recharge ! Ok, on recharge. Ok. Bon bah c'est fait. Ok, on quitte l'abri et on avance. Oh punaise. Hey, mets-toi couvert. On attend les ordres. Ah zut, je suis mort. Eh bien c'est la première mort et... Eh bien on va... s'arrêter là pour le moment, au moins s'arrêter le premier épisode découverte, et puis bah on continuera un petit peu plus tard cette aventure, voilà ce let's play. Donc bah j'espère que ce début vous aura plu, hein, ça aurait été très court, mais voilà, ça vous permet de voir un petit peu à quoi ressemble le jeu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure. Allez, bye bye.